Yo tout le monde, c'est Daz, on se retrouve pour un petit nocturne sur Pokémon Soleil. Avec quelques changements au niveau de la team, enfin. Des changements, c'est vite dit. Adieu Rocabo la passoire et bienvenue donc Lugarok, qui arrive donc dans l'équipe avec de meilleures stats, une meilleure stat de vitesse, une meilleure stat d'attaque, un poil plus de défense. Donc voilà, on espère juste que il fera très mal. Donc ensuite, voilà, il n'y a pas trop de changements. Une fois que l'épreuve sera finie, j'irai capturer le prochain Pokémon de l'équipe. Ce sera donc un Crokin que je transformerai donc en Sucrène. Pokémon que j'aime beaucoup et sur le coup, j'ai bien envie d'avoir un Sucrène en fait dans la team. Donc voilà. Donc on va faire l'épreuve parce que voilà. Et puis je sais pas si le Pokémon dominant il change en même temps, donc on verra. Mais on est là, on découvre. De toute façon, on a déjà fait l'épreuve. Oui, je suis prêt, comme d'hab. Quand tu veux, Sista. Et ça va être un peu de l'XP pour Mèche. Alors. Ok, Bémago, miel, grosse racine. Le miel, je l'ai déjà. Est-ce que ça va directement dans les ingrédients? Je sais plus dans quelle zone on la sucraine. On a des croquines en fait. Non mais faut me laisser faire mon truc. Ok, ça c'est déjà fait. Je vois une CT au loin. Hein? Petite photo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, Guériland. Plus. Choper quelques points en plus. Ok. Nani. Lui aussi, il est venu ressentir les effluves des fleurs. Ok, bon, je comprends pas. En fait, de toute façon, elle me dit ça, mais peu importe, j'en suis sûr, il y a un Pokémon qui va venir m'attaquer, donc.
moi, je comprends pas cette épreuve. Ok. Ah, pour finir ton travail. Ok, je suis ton. D'accord, je suis ton esclave. Ok, d'accord. Soit. Non, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je suis ton esclave. Quand je te verrai à l'arbre de combat, je te déboîterai. Je te déboîterai tout simplement. N'importe quoi. N'importe quoi, le jeu. N'importe quoi. Non, franchement, n'importe quoi. Ah ouais, il n'est que fait. Normalement, il me fait rien du tout. Ah oui, après. Ok, priorité. C'est vrai que j'oublie. Ouh, les dégâts, c'est dégueulasse. C'est le fun, on s'amuse. Bulk. Ah, mais il me semble que Guirlande est access défense P. C'est peut-être pour ça aussi. Je peux pas fuir? Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Rebondis feu, là, on est d'accord. Tu apprends cette attaque parfaite pour l'épreuve. Vraiment, le timing parfait. Son truc a l'air tellement dégueulasse. Une bémago, de l'eau, du miel, un os et une grosse racine. Ugh.
24, ok. J'ai rien pour le toucher. Peux soigner mes pommes, s'il te plaît? Immonde. Déjà le truc est violet, excuse-moi, mais... Ok, mais Mantis toujours. Lui Mantis, Flora Mantis. Ok, donc ça change pas. Si je l'empoisonne, il ne pourra pas appeler de renfort. Je ne vais même pas en parler. Ok, donc c'est plus Morpheo, c'est Keklon qui a Zénith. Ok. Vas-tu me lancer l'âme solaire? Oui, non? Coup critique. Par contre, ça risque d'être tendu un peu là avec eux. Non, ça va, je pense que Guérilande, je le passe. Oh, le salopard. T'es pas sérieux. Il va spammer.
Normalement, là, il crève. Il crève. Synthèse lui redonne pas assez de vie et je le one shot. Attends, il récupère. Yes! Ça, c'est bon! Bon, en fait, il y a des moments où on se fait chier. Vas-y, fais synthèse. Voilà, on anticipe. Je pense que Guérilla fera soin floral, mais je l'extermine juste après. À un moment, faut pas trop pousser. Je vais pas continuer à faire le match comme ça. Voilà, ça c'est fait. Non, on va laisser Mesh faire finir le combat. Mesh est bien parti. Tranquille. Voilà. Mesh a fait le taf. Gracias. Mais je peux pas l'utiliser. Ah si, je peux l'utiliser sur Bisbee, mais que parasport, hein, je vais pas aller loin. Merci. Mais j'ai pas de t'y passer avec moi. Quoi? Non, non, non. Quoi, 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 Ok. Ça va. Tu me laisses juste ici. Merci. 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 Merci, tu m'aurais ramené au centre. Tu aurais perdu mon estime, clairement. Personne n'a pris ton corps, non.
Bon, tant pis. On a une cité à récupérer. Une cité à récupérer. Un petit croquis. Non, je pense que c'est pas bon en fait. On va chercher, j'ai envie d'un petit croquis quand même. Par contre, où est-ce qu'on trouve croquis? C'était pas cette zone, il me semble. Zénith, ne herbe. Ah, Mentali peut la prendre. Voilà. Météore. Ouais, à part taper les ténèbres. Ouais, non, on enlève Météore. Mais je veux un croquin par contre. Ou sinon, j'irai l'attraper en off tout simplement. J'en ai marre. Et vas-y. Et vas-y. Allez, premier combat de Lugarok. Voilà. Je vais le déboîter. Clairement, je vais le déboîter. C'est quoi? Ta grand-mère la chaussette en laine. Ok, ça c'est Philali. Ok, d'accord. C'est encore mieux, il y a des candines. Il y a des candines, ben voilà. Hop. Un petit candine niveau 22. Tout est bon. Tac, tac, tac. C'est un Pokémon évolué. Allez, il doit
avoir plus de 40 PV. Tu as plus de 40 PV. Allez, il me reste deux attaques. Dans quel boule je pourrais te mettre? Une luxe ball. Le jeu fait exprès. Ça doit se jouer à 2 PV. Pour moi, tu... Bon, vas-y, je vais rien dire. On va reset la zone. En espérant avoir un autre Candine. Ok, donc c'est-à-dire que c'est que des Candines qui apparaissent. Niveau 22. Allez, s'il te plaît. Niveau 22. Niveau 20, bon. Ouais. Bon, pas de gaz toxique. Parce qu'on a compris que, ben... ça sert à rien. Ah, c'est un petit plan, je peux pas le paralyser. Bon, on va essayer. Au moins dans le Candine, après on arrête l'épisode. Pas faire un truc trop long et puis on n'ira pas au centre de recherche qui sert à rien. Mais par contre, je sens que je vais avoir du mal. Luxe, Honor Ball. Honor Ball aussi. Soin Ball. Est obligé, s'il se laisse pas, je préfère augmenter les chances avec du poison. Allez, luxe ball. Voilà. C'est juste que je sais pas comment l'appeler, c'est tout. Alors, confirme la protection, n'hésite pas à jouer avec Pokémon d'oiseau. Ok. Bien sûr, on va donner un surnom. C'est juste que je ne sais pas comment t'appeler. Allez, on va l'appeler comme ça. Non. Non. Maiko, voilà. Alors, résumé, voyons voir. Pouf! Jovial. Hop, si, ça c'est fait. Par contre, c'est celui qui a Bene qui chope.
Attendez, juste vérifier, je regarde. Ouais, c'est Bene qui devient prestance royale. Ok, c'est bon. C'est bon. On met l'inclure dans l'équipe. Bon, mèche. Hein. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, bah, on a eu notre Pokémon. On a fait l'épreuve, donc je pense que tout est bon. On va pouvoir se laisser tranquillement pour la suite de l'épisode. Oh la peau, regardez là. On va avoir un beau, une belle sucrène. Tellement mignonne. Attends, c'est l'intérieur ou l'extérieur? Ah, c'est le bout des feuilles, ok. C'est le bout des feuilles. Oups. Voilà. Bon, j'ai un peu bien con à Mamaïko. Mais on va se laisser là pour l'épisode. Donc le prochain, je sais pas sur quoi il sera. Je sais même pas comment l'histoire va évoluer. Donc voilà. Donc on va se laisser là, hein, je dis à la prochaine pour la suite de l'aventure. Cette histoire de vraiment de finir. C'est vraiment histoire de finir l'épreuve, quoi. Comme ça, moi, ça s'est fait. Et donc, ben, voilà, prochain épisode. Je sais pas ce qui va se passer, on verra bien. Alors, cette catégorie autre. J'ai juste de voir quelles attaques je pourrais apprendre à. Bon, en fait, je peux rien apprendre. Je peux rien apprendre. Ok. Bon, allez. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Avec. Il y aura de l'XP aussi, sans doute. Et pour le prochain épisode, on mettra. En plus, on a eu Lugarok. Ah oui, c'est vrai que j'avais chopé un Drabi. On a Bisbee. J'ai envie de garder. Bisbee a évolué. On va un peu changer. Thiboudet, Candine. Ça va être un peu nos deux stars sur le prochain épisode. Donc voilà. Allez, moi je vous dis portez-vous bien. Tout plein de bonnes choses. Tout plein de bisous. Peace.